bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi 14 juin et j'espère que vous allez tous très très bien en ce début de semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup d'abonnés là ces derniers jours. Donc, bienvenue à vous. Donc, moi, je m'appelle Axel, j'ai 31 ans et j'ai trois petits loulous, enfin trois petits garçons et je vis avec mon conjoint. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine, bah du coup de la semaine dernière, hein, parce que j'ai un petit peu de retard, mais comme je suis rentrée tard hier, voilà, j'avais un peu la flemme de faire la vidéo, donc je l'ai fait que ce matin, mais je vous avoue clairement je suis crevée. Voilà. Donc on va voir comment ça s'est passé. Sincèrement, c'était pas foufou, parce que à la fin de la semaine je me suis un peu mêlée les pinceaux. J'ai plus rien marqué dans mon Filofax. Je sais même pas si j'ai marqué d'ailleurs cette semaine. Et j'ai un peu pioché à droite, à gauche. Excusez-moi. Bon, l'essentiel est que on respecte le budget après. Clairement, savoir où on prend, c'est pas très grave. Donc, en premier, je vais vous montrer le suivi mensuel du compte de cette semaine. Donc, nous étions arrivés à ici, week-end fille, que j'ai fait du coup ce week-end. J'ai explosé mon budget, explosé, le mot est même trop faible. J'avais un budget de 90 euros et j'ai dépensé 170 euros. Alors, je vous explique. En tout, clairement, entre l'alimentation et la location, j'en ai eu pour 62 euros. Donc, vraiment, c'était rien du tout. C'était vraiment rien, sachant qu'on a fait deux restos. En fait, la location s'est avérée un peu moins chère que prévu. Donc, 62 euros, donc franchement ça c'est cool, mais après, les 90 euros restants, non, les plus de 90 euros, les 110 euros restants, sont passés dans tout ce qui est un peu souvenir. Donc j'ai ramené des petites choses en fait de là-bas, de où j'étais. Pour ceux qui connaissent, j'ai été passer un week-end à Concarneau, en ville touristique de Bretagne. Et du coup, j'ai acheté pas mal de choses. Oh, il y a une mouche. J'ai acheté pas mal de choses à ramener à la maison. Et du coup, ouais. Mais bon, faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Donc, ça sort de mon compte. Ensuite, je suis allée au magnétiseur cette semaine, mais pour mon dos. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis moins. Mais j'ai mis la date d'aujourd'hui. Et j'en ai eu pour 30 euros. Et je suis allée à Action. Alors, comment vous dire, oui, j'ai une enveloppe perso. Mais je ne trouvais plus mon Filofax. Pendant une journée, je l'ai cherché partout. J'ai remué ma maison, je ne le trouvais plus. Et du coup, j'ai pris une carte bancaire. J'ai pris la carte bancaire que j'avais. Heureusement que je ne mets pas tous mes cartes bancaires dans mon Filofax. Et voilà. Donc, j'en ai eu pour 20 euros. Je l'ai retrouvé juste avant de partir en vacances. Mais heureusement, je vous dis que ça. En week-end. Bref, donc nous sommes là pour le moment, en deux semaines, nous avons dépensé 280 euros de notre compte. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au Filofax, savoir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Alors, rien de fou. En premier, alimentation, j'ai tout dépensé, donc il n'y a plus rien, mais je n'ai pas marqué en fait. Donc j'ai rien marqué. Franchement, c'est une honte, je n'ai rien marqué, mais c'était à Leclerc, les 40 euros, tous les 40 euros là qui étaient dans Leclerc. Ensuite, j'ai dépensé 91 euros à Carrefour et 5 euros à Picard, donc dans l'alimentation, comment dire, oh là 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 là, je perds mes mots, dépenses en carte bancaire, donc il restait 15 euros qui sont partis aussi à Leclerc avec l'espèce qu'il y avait là. Vêtements, il reste 20 euros. Mais comme je vous ai dit, je n'ai rien acheté en vêtements, mais je l'ai utilisé pour compléter l'alimentation justement que j'avais. J'ai eu pour beaucoup d'alimentation parce que... pour quelle raison? Oui, parce que j'avais des choses emmenées avec moi au camping et que j'avais aussi des choses achetées à mon mari, à mon conjoint. Carburant. Carburant, j'ai dépensé 40 euros, donc il reste 60 euros pour finir le mois. 60 euros. Voilà.
Pharmacie, j'ai toujours les 20 euros. Donc ça, c'est bien. Voilà. Plaisir enfant, les garçons ont dépensé tout. Ils se sont achetés. Ils se sont achetés, vous savez, il y a l'Euro 2021. Donc ils se sont achetés des albums de foot avec les stickers Panini, machin et tout. Enfin, bref, ils se sont fait plaisir. Franchement, en ce moment, je suis un peu dans le truc, faites-vous plaisir parce que ça m'a un peu. Voilà. Je suis dans ce délire-là. Faites-vous plaisir. Ensuite, divers adultes. Donc, moi, j'ai mes 10 euros de la Française des Jeux où j'ai gagné 5 euros. Et on a été en terrasse. Donc, voilà. Donc, on s'est fait plaisir. Maintenant que ça a réouvert les terrasses, on s'est fait plaisir. Resto, cette semaine, nous sommes fait un restaurant. Quand il y a eu l'ouverture des restaurants. Excusez-moi, j'ai été coupée parce que j'ai mon petit garçon qui est là. Bon, oui, donc restaurant, on s'est fait pas un resto de fou, on s'est fait un petit truc vite fait. Et du coup, comme j'avais pas assez, on a pris dans au cas où. Et j'avais un cadeau à acheter à une amie. À qui c'était son anniversaire également. Donc j'ai pris dans au cas où aussi. Donc voilà un peu pour cette semaine, comment ça s'est passé dans mon filet de fax. Donc j'ai du coup fait une économie de 40 euros. Enfin, c'est super bien, hein, je trouve. Franchement, c'est super bien. Donc nous allons mettre. J'ai eu un commentaire d'une personne et franchement, elle a tout à fait raison. Comment ça se fait qu'il me manque des choses? Voilà. Ben, les magasins ayant réouvert, ben, franchement, on fait beaucoup, beaucoup plus de dépenses. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. On fait clairement beaucoup plus de dépenses que plus 40 euros. Et donc, nous sommes à 70 euros. On dépense beaucoup plus que quand on était en confinement où là, on dépensait quasiment rien. Donc, c'est sûr qu'elle a raison. Donc, du coup, ben, regardez, mois de mai. On était en confinement, je sortais pas. Hein. Vous avez vu 135, 40, 155, 130. Mois d'avril, voilà, un peu moins. Et mois de mai, un peu moins aussi. Et donc, je vous disais, je suis désolée. Hein. Franchement, je suis coupée tous les 5 minutes, mais je suis désolée. Et donc, je disais, ben voilà, que plus les mois vont passer, plus clairement, je vois que ça descend. Hein, 460, 410, 230, et là, ça sera je ne sais combien. Bref, c'est pas grave. L'essentiel est de faire des économies. Et on est déjà content avec cela. En petite monnaie, j'ai oublié de dire, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Il y a... Il y a 1,90 €. Donc voilà un peu pour les économies que j'ai fait cette semaine. Du coup, nous allons faire... Nos petits challenges de la semaine. On commence par Monopoly. J'étais arrivée à la case prison. Du coup, je ne sais pas comment vous fonctionnez pour le Monopoly, mais du coup, moi, bah, quand je suis allée en prison, je recommence comme ça. Voilà. Donc, je vais l'aider. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du coup, je dois 11 euros. Donc, du coup, je vous dois 11 euros. Enfin, je vous dois. Je dois donner 11 euros à ma partie de Monopoly. Donc, je vais marquer sur mon tracker 11 euros. Dites-moi, vous, comment vous faites quand vous êtes en casse-prison? Est-ce que vous repartez de là ou est-ce que vous continuez comme ça? Enfin, tout le monde a des façons différentes de jouer au Monopoly, donc c'est intéressant de savoir. Donc, 11 euros. Donc, comme je n'ai pas de monnaie, je vais m'en faire. Je dois avoir un billet de 10 euros dans Monopoly. Ouais, super. Hop. Et 11 euros. Voilà. Bon, ça, c'est
c'est bien. Et dans, du coup, tableau des économies, eh ben, je vais mettre, je voulais mettre 10 euros. Mais je suis en train de voir que il n'y a pas 10 euros. Il n'y a que 11 euros et je n'ai pas 1 euro. Et que 9 euros. Ah si, il y a 9 euros. Donc, est-ce que j'ai 1 euro? Je crois qu'il me reste 1 euro. Oui! Donc, je vais mettre 9 euros. Comme ça, hop, je me rends 1 euro. Voilà. Tac. Je vais cocher 9 euros. Donc, je vous montre. Voilà. Mon petit tableau. Et donc, je vais cocher 9 euros. C'est vrai que je n'ai pas vu du tout de 10 euros à moins que je sois bigleuse et que je ne vois rien. Mais je n'ai pas vu les... Je n'ai pas vu ceci. Bref, de toute façon, il faut avancer. Voilà. Donc, ce que je vais faire du reste... Oula. C'est tout qui tombe. Hop, je vous ai dit, je dois avancer dans vacances. C'est juste méga important. Donc, je vais mettre les 20 euros. Donc là, on avance, on avance. J'ai dit, je dois arriver à 200 euros. Donc, ça va le faire. Hein, ça va le faire. 1014, 06, plus 20. Donc, on est à plus 140. Donc, il reste 60 euros pour arriver au, aux 200 euros. Voilà, maintenant je vais remplir. Donc pour cette semaine, mon Filofax. Hop. Donc dans alimentation, je mets. Mince, je ne sais pas si c'est ouvert fermé. 40 euros. Et donc, on est bien d'accord qu'il y a 40 euros en liquide, en espèces, et 110 euros en carte bancaire. Ensuite, vêtements, 40 euros également. Voilà, je pense que je vais en avoir besoin en plus. Voilà. Carburant, donc ça ne change pas. Pharmacie, j'ai 20 euros à mettre. Voilà. J'ai même pas été à la pharmacie depuis un moment. Vous remarquerez que franchement, je suis super étonnée de moi. Plaisir enfant, 20 euros également. Je me suis trompée de place en plus dans ma caméra. Normalement, j'aurais dû la mettre de ce côté pour que vous puissiez bien voir. Bref, c'est pas grave. Je suis à la bourre dans tout. Plaisir adulte, 20 euros. Donc, la semaine dernière, il y en a qui avaient remarqué que j'avais mis 40 dans Plaisir Enfant, voilà, à parler, et ben, j'ai mis 40, mais je les ai remis après, les 20 euros, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Dans restaurant, il y a 20 euros aussi à mettre. Voilà. Et dans au cas où, nous mettons les 40 euros. Voilà, voilà. Voilà pour cette semaine. Si donc voilà, je suis assez contente. Hein. Ça augmente doucement, mais sûrement. Je vous remercie encore tous pour vos commandes. J'avais juste une petite chose à dire. Il y a des gens qui me demandent si j'envoie en tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Réunion, etc. Oui, je fais des envois, mais ne passez pas par Etsy dans ces cas-là. Vous m'envoyez un mail à mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Et on voit ensemble ce que vous avez besoin. Et du coup, je vous dis le tarif. Mais franchement, c'est pas exorbitant. Les stickers surtout, parce que ça reste en lettres. Et même en lettres suivies, ce n'est pas super cher. Ça doit aller dans les 3 euros et des bananes 3,60 euros, un truc comme ça en lettres suivies. J'ai posté des stickers en Martinique. Je salue cette personne qui regarde mes vidéos. Et ça a coûté 3,60 euros ou 4 euros. Enfin, voilà. Donc, je fais du coup des envois là-bas en suivi. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, voilà.
J'espère que vos économies, votre semaine d'économie s'est bien passée. Dites-moi en commentaire. Merci à tous pour tous les messages que j'ai reçus sur ma vidéo vacances. Ça me rassure de ne pas sentir que tout ça coûte une blinde. Franchement, je commence à me dire, est-ce que c'est moi qui suis devenue rados ou est-ce que vraiment tout a augmenté? Mais effectivement, tout a augmenté. Ce n'est pas moi la radine. Et du coup, ben voilà, ça me rassure. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine à venir, une bonne semaine ensoleillée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo si cela vous plaît. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de laisser des petits pouces bleus, bien sûr de la liker quoi, et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!